Je suis très fier d'avoir pu ouvrir cette classe de football qui fonctionne donc depuis l'année dernière. Il ne faut pas oublier que cette classe de football est avant tout nécessaire à l'épanouissement de nos élèves. Un épanouissement qui favorisera la scolarité. Voilà l'objectif essentiel. Les enfants se trouvent très bien. Monsieur Jackson apporte toute son expérience à la fois footballistique mais aussi d'éducateur. Asseyez-vous. J'espère que l'option foot continuera, se développera et que effectivement ça permettra l'épanouissement de nos enfants. Ben moi déjà je suis très fier parce que de pouvoir participer à ce projet. La carrière reste là. Tire. C'est très passionnant vis-à-vis des garçons, puisqu'on arrive à mêler des garçons d'un certain niveau footballistique à des garçons qui n'ont jamais joué au foot. Ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive justement à jouer tous ensemble. Et les garçons qui étaient moins doués au départ puissent quasiment de la même manière que les autres participer activement au match et au jeu de la même manière, on va dire. Voilà. Moi au début j'étais nul au foot, mais à la fin je suis fort. J'ai voulu en faire et puis après j'en ai fait. Parce que j'ai fait du foot depuis longtemps alors. Moi c'est un défaut, c'est un sport collectif. J'ai pris le foot parce que ça fait 7 ans que je fais du foot. Et je suis avec tous mes copains. Et tous mes copains font du foot. Et comment si j'allais dire. J'aime bien le sport collectif. Voilà. Voilà. On écarte à droite, 3 fois, on écarte à gauche. Allez, c'est bon, on y va. De respecter et d'être collectif. Le respect entre les coéquipiers. Avec la Barça aussi. Mais aussi, il faut avoir l'esprit d'équipe. Il faut aussi respecter l'arbitre. L'entraîneur, il dit ce qu'il faut faire. Donc, dans le match, il faut être collectif, il faut bien s'entendre. Il faut faire tout son possible pour progresser. S'amuser, puis voilà. Faire plein de choses ensemble. Au revoir. L'important, c'est de jouer mieux et de gagner. Et l'important, c'est de partir. Participer au jeu, mais travailler en équipe, pas faire en personnel, faire son possible pour marquer des buts. Passez pas au milieu. Voilà, enchaîne rapidement. Super Brian. Ouais, Zinou, bien joué Hugo. Super. Brian, tu peux rester dans les pieds. En fait, c'est faire de l'anti-jeu. Il ne faut pas être en jeu. Il ne faut pas faire coup de boule. Il ne faut pas faire comme Zidane et Materazzi. Aussi, c'est bien de rigoler. Il ne faut pas que... Il faut aussi rigoler quelquefois. Il ne faut pas se moquer des autres. À l'entraînement, on fait les malins et tout, mais en match, on rigole moins quand on est contre des adversaires plus forts que nous. Le football, c'est comme une famille. On s'entraide, par exemple, si on fait tomber quelqu'un sans faire exprès, on le relève parce qu'on s'excuse que d'avoir pas fait exprès. Allez, un bel enchaînement. Vas-y. Mais le but ici, au niveau d'un collège, c'est, je le répète, le développement des qualités nécessaires pour avoir des élèves qui soient à la fois bien dans leur tête, bien dans leur corps. Pas tout seul en deux mondes.
jouer. Alors, bah écoutez, je suis très fier d'avoir pu ouvrir, évidemment, la porte. La porte. C'est mon dernier mot.